Bonjour, bonjour à tous. Alors, vous êtes en compagnie de Marie-Pierre de la cuisine de Mapi. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette parce que voilà, c'est la fin de l'été, mais c'est quand même l'été indien, c'est super. Une recette que vous allez pouvoir faire le soir avec une salade, c'est une petite entrée à base de figues. Il se trouve que des figues, on en a un plein jardin. En fait, il y a deux périodes pour les figues. On a la période du mois de juillet, fin juin, début juillet, avec des figues plutôt blanches, ce qu'on appelle les figues fleurs. Et puis là, maintenant, on est sur la période des figues rouges, violettes et qui sont pleines de saveurs. Et moi, j'adore faire ce plat, c'est-à-dire une feuille de brique. C'est un petit feuilleté à la chèvre et aux figues, et à la figue et au miel. Alors, je me prends une pâte feuilletée en rouleau. Donc, ça, vous trouvez en grande surface. Ça permet en fait de couper et de rien gaspiller. Vous coupez vraiment la feuille de brique à la taille que vous souhaitez. Alors, regardez. Hop, notre petit. On va faire un petit paquet cadeau. Vous allez voir, c'est super simple. Là, maintenant, je vais couper mes petites figues en lamelles. C'est très joli. Voilà. Ça va être pour une brique et pour une autre brique. On va en faire deux. Voilà. Hop. Alors, un petit peu de fromage de chèvre frais. Donc, vous pouvez aussi prendre, si vous aimez bien, un fromage un peu plus goûteux. Mais c'est vrai que plus on va être fort dans le fromage et plus ça va enlever le parfum, ça va masquer un peu le parfum des figues. Donc, si on veut avoir les deux parfums, c'est bien de rester sur un fromage frais. On va mettre donc notre petit fromage frais, nos figues, un petit peu de sel et par-dessus un tout petit peu de miel. Ensuite, on va mettre sur une plaque qui va au four et on rajoutera par-dessus un filet d'huile d'olive pour le faire dorer. Et on va passer ça au four pendant à peu près, allez, 8 minutes. Donc, je pense que ça sera pas mal. Allons-y, vous me suivez. Donc, le petit fromage de chèvre. C'est parti, petit chèvre frais. Ça aussi, vous trouvez facilement en grande surface ou alors vous achetez chez tous les bons producteurs des petits fromages frais qui viennent juste d'être fabriqués. Voilà, donc je mets en rosace, c'est joli comme ça. On va rajouter un petit filet de miel. Donc, je récupère une cuillère. Voilà, hein, vous voyez pas trop pour pas masquer les parfums, les différents parfums, pour que chaque chose ait bien sa place, chaque saveur soit bien reconnue. Et on va mettre un petit peu de sel. Voilà. Maintenant, je ferme un côté, l'autre, je rabats comme ça. Voilà, ça vous fait un petit feuilleté. On aperçoit la figue par-dessus. Moi, je trouve ça très élégant. On va en refaire une pour être sûr que vous avez bien suivi. C'est parti. Allez, hop. La petite brique. Le fromage de chèvre par ici. On l'écrase un petit peu. On rajoute les tranches de figues. Regardez comme c'est joli. C'est élégant tout ça. Un petit peu de miel. Voilà. Un petit peu de sel. On ferme. On rabat les côtés. Et voilà notre petit paquet cadeau. Je vais me munir d'une plaque de four sur lequel je pose le papier sulfurisé qui a servi à conserver les feuilles de brique. Sinon, vous pouvez prendre un papier sulfurisé lambda. Voilà. Hop, hop. Et maintenant, je mets un petit filet d'huile d'olive. Voilà. Ça, c'est histoire de faire croustiller. Et on va passer au four. Regardez. Alors, comme techniquement, je n'ai pas encore la possibilité de faire des enchaînés de vidéos, du coup, le résultat, vous l'aurez par photo. Et je vous souhaite un bon appétit. Régalez-vous bien avec une petite salade, une sorte de petit mesclun. Vous allez rajouter un petit peu de vinaigre balsamique.
de l'huile d'olive, un petit peu de miel si vous voulez aussi sur votre salade. Et vous mangez ça et ça fait un super repas pour le soir. Et en même temps, c'est végétarien, ce qui ne gâche rien. À très bientôt pour de nouvelles recettes, certainement autour de la figue.